La Parisienne est née en 2014. Après beaucoup, beaucoup de voyages en tant que vigneron, j'ai goûté des bières artisanales. J'avais flashé à l'époque et je me suis dit pourquoi pas en France. Et en rentrant à Paris, on a créé la Parisienne dans le 13e arrondissement. Et puis on a déménagé à Pantin en 2016. Alors avant de commencer la Parisienne, j'ai malheureusement étudié le commerce et la finance. Et au bout de 3 ans dans un grand groupe, j'ai eu envie de commencer à faire quelque chose, mis à part des tableurs Excel. Et du coup, j'ai démissionné pour aller reprendre un domaine viticole dans le sud de la France pour apprendre un métier. Je pense qu'on est une génération pour qui le cavor, le circuit court, le bio est important. Tous les gens qui ont 40 ans sont concernés, mais aussi les plus jeunes. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, qui tient à cœur à nos clients. Et je trouve ça passionnant de travailler avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous. Nous, ce qui nous passionne, c'est de constamment s'améliorer, de créer, de faire des bières qui soient de mieux en mieux. Tout ça dans une démarche qu'on veut locale, qu'on veut responsable. Donc, vous avez vu par exemple nos plantations de houblon dans Paris. Ça fait partie de notre objectif, c'est ramener 95% de ce qu'on consomme en termes de matières premières dans un rayon de moins de 50 km de la brasserie. Tout est fait ici, sur place, et on laisse le temps au temps. Donc tant que c'est pas prêt, c'est pas prêt. Nous, ce qui nous passionne, c'est la qualité de nos produits et le savoir-faire.